Salut à tous, c'est le Gratteur Fou. Là, changement de casino, direction la machine à sous Rise of the Mountain King. Je vais tenter l'option d'achat immédiat de bonus. Alors, balance, j'ai remis des pépettes sur un casino, il me restait 5 centimes dans la balance. Tu as une torchade, donc j'ai remis 2000 balles. Alors, en fait, je vais tester ce bonus plusieurs fois, mais de façon quand même modérée. Et ouais, c'est clair quand même, ça coûte une blinde. Alors, à 6 euros, hop, ça fait quand même 600 balles. Alors on va essayer. Bon bah ça y est, le bypass chance, 50% de chance d'avoir une remise ou de tout perdre. Donc on va enquiller direct sur les parties gratuites, enfin sur les parties bonus. Alors le x50 ou le x100, c'est le truc, c'est hyper rare pour y arriver, on va voir. 319. Qu'on a les King Respin sur ce jeu. Alors quand on a d'autres. Allez, balance-moi en encore. Bon, ben, dommage que ce soit pas sur le x15 ou le x25. Ah ouais, 125 de win. Ouais, les Respin, je crois bien que c'est à partir de 3 symboles du King. Alors, est-ce qu'on va arriver ne serait-ce qu'au x10? 5 free games, 6 sur 9. Voilà, il faut les petites pierres roses pour augmenter les multiplicateurs. Là, je crois que c'est mal barré. Alors, big win de combien? 310. Ben, c'est déjà pas mal. Au moins, on retombe à peu près sur nos pattes. Ah, ouais, ça aurait pu être pire. Allez, round 2, hop. Donc là, on n'avait pas dépassé le x5 comme multiplicateur. Allez, on retente. Bon, je demande pas d'arriver jusqu'au x100, mais ne serait-ce qu'au x25, ce serait déjà pas mal. Avec éventuellement du respin à la clé. Alors, big pépette de combien? Ah, 448, pas mal. Il me faudrait de la petite pierre rose. Ouais, voilà, parfait. On va passer au x10. Et c'est reparti. Pareil, pour aller au x15, il faut 3 petites pierres roses. Avec chaque fois de la free game supplémentaire. Bon, ben là, on n'est pas très très loin du prix d'achat quand même niveau win. Ah, pas mal. On dépasse le x15. Alors le prochain c'est le x25, est-ce qu'on va avoir le King Respin? Telle est la question. C'est vrai que parce que le King on le voit pas souvent. Oh, x25, sans déconner. Alors est-ce que je vais me faire escroquer, c'est-à-dire 0 King, 0 gain x25, 12 sur 18. Encore deux pierres, on est au x50. On a une ici. Ouais, c'est bien beau les multiplicateurs, mais s'il n'y a pas le king joker, on est mal barré, ça sert à rien. Oh, x50, sans déconner. Alors 16 sur 21, j'espère qu'il va pas me faire le rat, le king à pas apparaître. Et ouais, petit rat, du coup on le voit pas. On roule au 5. Sans déconner, on va se faire croquer le x50, pas une seule fois le king. Alors dernière chance. Et bien voilà, vous l'avez vu le x50. 0 x 50 ça fait 0. Enfin, on rentre à peu près sur nos pattes quand même, mais bon. Les boules quand même. Le x50, pas une seule fois le king. Ça y est, je m'étais dit, tiens, ben, il va apparaître, on va avoir les respeed, on va avoir du big win. Eh ben non, c'était du leurre. Alors 1368 quand même. Les boules, le x50, bordel la chiotte. Là, win avec des respins et ça aurait été l'embellie. Allez, on se compte arriver ne serait-ce qu'au x10.
free game 7 sur 10. Hop, allez, go x10. Le problème, c'est que le king, on le voit jamais, pratiquement jamais. Ah, ben il a paru au moins une fois. Alors 130. Ok. Faudrait qu'il m'en prenne 3 histoire qu'il y ait du respin. Allez, la dernière. Ouais, le score il est pas top. 225, il nous reste 1368, 1593. Allez, on retente. Bypass. Allez, on essaye. Sans l'escroquerie. Eh ben, le petit rat commence à se croquer. Ben voilà, 600 balles. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Heureusement, c'est passé parce que ouais, je me suis planté de bouton. Dans l'élan, je me suis planté, mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on va avoir un round bien généreux? Le King respin, je crois que c'est mal barré. 7 sur 9, cacahuète. Bon, le five of a kind quand même, 150. Dernière free game. Casino is the big winner. 293 de récupérer. Alors, 1200 balles, de quoi faire encore deux achats. Est-ce qu'on va tomber sur le bon? Je vais oublier l'option gamble quand même. J'ai une vidéo de ce jeu-là où j'avais gagné, enfin ça avait bien payé. On avait eu les King Respin avec un beau multiplicateur à la clé, mais bien sûr c'est plutôt rare apparemment. Allez, 4 sur 8, on est encore au x5. Alors, King Respin ou pas King Respin, telle est la question. Et bon, on se sera fait défoncer en un seul jeu. Allez, 9 sur 10, 10 sur 10 la dernière. Pas King Respin. 92-60, mal barré. Alors si on baisse les mises, 4,50, ça coûte 450, on va essayer ça. Bon ben plusieurs tentatives, pas de gros win avec les King Respin. Sinon sur le bouton achat de bonus, ils auraient pu marquer perdez plus vite. Alors 7 sur 10. On passe au x10. Bon là c'est des wins de misère pour le moment. Sans déconner, le king il est en quarantaine, on le voit pas. Que dalle sur les King Respin. La dernière. Ouais, l'autre consolation, 37,50. Cher joueur, vous avez gagné 49,65€ pour un prix d'achat de... C'était 450 balles. Ouais, du coup, on n'a pas assez. 3,60, alors on va essayer ça. Allez, dernière chance, parce que là il nous reste que dalle. Bon, bien sûr, sur plusieurs joueurs qui testent ce jeu, il y a plus de perdants que de gagnants, ce qui est un petit peu logique. En tout cas, moi je vais aller dans la case des perdants, c'est clair. Alors, sauf s'il me fait un King Respin monstrueux, mais ça m'étonnerait.
de temps en temps. Je pense qu'on peut arriver au x100 avec du King Respin. Ça arrive une fois tous les je ne sais combien de milliers de parties. Allez, le x15, 0 x 15 égale 0. Vu que le King il s'arrête jamais sur les rouleaux. Alors 11 sur 15, 58-82 win. Ah, King Respin, eh ben, il était temps. Alors j'espère qu'il va m'en pondre d'autres, parce que là on est quand même fait exploser de chez défoncé. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait que des leurres. Oh, que des leurres, le petit rail. Il m'en a pas répondu un. Hein. Ouais, comme quoi c'est cool les machines à sous. Vous avez gagné 70,56 €. Le casino vous remercie car vous avez dépensé 450 balles. Non, 360 balles. Alors on va tenter ça. Ouais, mise maxi c'est 12. On va finir ça en mode spin normal. Bon, c'est un miracle, on va se gagner une partie de free game. Mais bon, j'y compte pas trop. Je pencherai plutôt sur le 0, le triple 0 pointé. Ouais, j'aurais espéré éventuellement faire plusieurs parties sur ce casino, mais là en une seule partie, ça s'est vite réglé. Alors, le casino vous remercie, vous avez procédé à des achats de bonus, vous vous êtes fait défoncer, c'est super, veuillez retenter votre expérience. Alors, 3,26, hop. Veuillez refaire un dépôt, s'il vous plaît. Ouais, non, pas vraiment. 26 centimes de restant, mise minimale 30, donc on s'est fait torcher sur le Rise of Mountain King. Ce sera peut-être à retenter plus tard, mais là, pour le moment... c'est un peu mal barré. Alors 26 centimes, cadeau cadeau au casino, où sera déjà là pour le prochain dépôt. En attendant, on se barre. On s'est fait défoncer.